Salut à tous et bienvenue sur ce petit stream Sims 4. Donc nous allons découvrir le nouvel add-on chien et chat. Donc bien sûr vous allez comprendre, ce soir nous allons faire des chiens et des chats. Alors qu'est-ce qu'on va commencer, peut-être par découvrir un petit peu ce qui se passe. Ah, ça c'est la communauté, non? Ah non. On va faire une nouvelle partie. Alors, ici. Donc, on peut créer des bambins. Alors, on va peut-être voir d'abord les habits qui ont été rajoutés. Hein. Donc, non, c'est peut-être pas la meilleure chose. Donc on va filtrer par le pack chien et chat. Donc nous n'avons rien qui a été rajouté pour le pack. Un petit peu de tenue là, comme vous voyez. Alors des belles chemises. Que de belles chemises. Des belles chemises, des belles chemises. Un pull tout moche. Pas de Marcel. Hop, encore une chemise. Toujours une chemise. Un t-shirt. Ah, il est pas mal celui-là. Un petit peu plus sympa. Ah, et un t-shirt avec une papatte de chien. Hop. Nous allons filtrer avec toujours le pack. Alors là, nous avons une tenue très très sportive. Alors nous avons des ensembles. Donc là on n'a pas de déguisement. Oh, j'aurais bien aimé avoir un déguisement. Euh,
Voilà, là pour l'instant je commence avec les habits. Après on va vite y passer pour voir. Je vous laisse l'eau tout tranquille pour que les jeunes familles. Les petits shorts. Oh, un short de bain, c'est pas mal celui-là. Un bon pantalon et un pyjama petite patoune. Bonjour à tous. Bien sûr, nous n'avons pas de robe. J'ai commencé par les hommes parce que généralement c'est beaucoup plus rapide. Hein. Un petit gant, ok. Et des chaussettes. Allez, il se passe pas grand-chose pour les hommes. Donc, on change. Et on choisit une femme. Allez, on refait la même chose. Donc nous avons une belle robe patchwork. D'accord, le style est éclectique. Ah, ça c'est bien sympa. Un petit pantalon avec un t-shirt court. Ah, une robe. Ah, elle est sympa, celle-là, elle a les manches courtes derrière. Hop, oh! Oh, c'est sympa avec la ceinture. Une petite robe encore. Ah, la fameuse salopette. Attention. La tenue classique que tout le monde porte. Et une belle robe. Coucou! Salut! Alors. Ah! Un t-shirt avec une capuche à chat. Ça, c'est sympa. Sachant qu'il existe en plusieurs couleurs. Oh, ça risque d'aller. Donc, je pense qu'elle va rester en chacha, hein, mais d'abord on va regarder tout ce qui se passe, puis après on créera notre Sims qui s'amusera. Ah, oh, t-shirt de Noël chat, trop drôle. Ah, celui-là c'est petit t-shirt classique. Ah, c'est la tenue vétérinaire, je pense. Donc regardons, ça on a vu. On va mettre un pantalon peut-être. Alors attendez, on va repasser au haut. Je vais mettre mon moot. Ah oui, il y a beaucoup beaucoup de choix. On peut faire beaucoup de choses. Hein. Là c'est le pantalon. Une petite jupe, hein, ça peut être peut-être pas mal. Ouais. Petite jupe comme ça. Peut-être pas mettre vert, hein, celui-là. Hein. Rose. Ouais, ben, bon, je suis pas mal. Voilà. Est-ce qu'il y a des lunettes? On peut mettre un bracelet et un legging petit chat. Joli legging petit chat. Mais non, on met pas de legging petit chat. On peut mettre des gants. Mais on ne met pas de gants. Ah oui, on aime les Sims. Alors, les chaussures. Ah, les petites bottines comme ça, c'est pas mal. Par contre, j'ai pas fait sa tête. Hop. Ah, pour le coup, elle est couverte. On voit pas trop les coiffures. Alors, j'ai changé de haut. Pour avoir un haut. Voilà, pour voir sa coiffure. Ah, c'est mieux. Alors, hop, découvrons les coiffures du pack chien et chat. Alors, nous avons. Ah, on a une choucroute. Ah, c'est pas mal celle-là. Wow, on a Charlie. Ah, on a le nœud vert. On a le nœud bleu, papate. On a pas de cheveux. Ah, il y a des coiffures qui ont été rajoutées. Hein. Les cheveux courts à la mode. Hein. Ouh, on a les cheveux longs. Ah, attention, on est cruel là. Cheveux courts. Ah, les oreilles de chat. Ah, bah on va mettre les oreilles de chat. Hein.
C'est obligé, les oreilles de chat. Donc, est-ce qu'il y a des nouveaux casques? Non. Des nouvelles lunettes. Il y a des colliers. Alors, on les voit pas parce que là, j'ai pas de tenue. Chien-chat, bien sûr. Et est-ce qu'il y a du nouveau maquillage? Il y a l'air d'avoir du nouveau maquillage. Non, il n'y en a pas. Bon, on va partir sur des oreilles de chat. Je voulais remettre le pull chat pour le coup. Voilà. Mais pour le coup, j'ai la tête. Donc, on va peut-être mettre le pull de Noël chat. Voilà. Ah, il peut être chien aussi, regardez. Petit chien. Petit chat. Il faut que la couleur change. Ah, bah celui-là, il est pas mal, petit chien. Petit chat qui dort. Oui, il est pas mal, petit chat qui dort. Ah ah ah. Donc pour le coup, on s'appelle Emini Petit. Qu'est-ce qu'on va faire? Ah, voilà, on va faire un nouveau trait. On va choisir les nouveaux traits, puisqu'il y a un nouveau trait qui s'appelle Animal. Donc on va le choisir. Ça, on va les jouer à fond là. Donc, qu'est-ce qu'on va se mettre avec? Ah bah tiens, amoureuse des chiens, amoureuse des chats. Alors, on va faire plaisir. Coucou, Azaf. Je vais être amoureuse des chats. Et je vais mettre amoureuse des chiens. Comme ça, je suis tranquille. Ça doit être ces nouveaux. Bonsoir à tous. Bienvenue. Et nous allons peut-être pas végétarienne. Hein, qu'est-ce que je peux mettre? Y a pas de souci, avec plaisir. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre avec comme trait? Troisième trait. On va la mettre geek. Hein. Non, on va peut-être pas mettre geek. Hein. On va pas mettre détester ses enfants. Qu'est-ce qu'on peut lui mettre? Mais non, mais après, ça va être chiant si j'ai les végétariennes. Je vais pas pouvoir cuisiner tout ce que je veux. Je vais la mettre joyeuse. Allez. Comme ça, c'est très bien. Chucha. Allez. On va créer soyez. Et oui, malheureusement, effectivement, je suis allée voir avant de le stream s'il y avait du stock pour vous en parler. Il n'est plus en stock, mais je pense que d'ici lundi, il y sera. Donc, nous avons eu un nouveau quartier, donc on va y aller, hein, bien sûr, avec Stadon, voilà, avec les petits chiens et chats, comme vous voyez. Donc, ce qui a grandi énormément les quartiers. Donc, voyons ce qu'il y a dans le quartier. On a un quai. Ah! Oh! Il y a karaoké. Il y a un bar. Donc, là, il y a une petite maison. Donc, il y a l'île morte. D'herbe morte. Ici, c'est le cirque de cavaliers. Oh! Ici, la place à sable. Donc, là, on peut pas vivre. Alors, on va peut-être prendre une petite maison. Je vois ici qu'il y en a une ici. Oh, ça va. Hein. Cric. Voilà, je sais dire cric. Pour le coup, je peux pas. Vous devez choisir un terrain inoccupé pour votre foyer. Bon. Allez, on va aménager là. Hein. Allez. Ah non, il y a une petite maison là. Oh, on va aller prendre une maison déjà habitée. Très bien. Hangar à bateau. Voilà, aménager dans l'hangar à bateau. On va la prendre meublée, comme ça, on y va. Attendez du popcorn. Oh. Donc bien sûr j'aime les chiens. J'aime les chiens. Donc il m'en faut. Alors petite question, c'est. Bon, comment s'en aller une maison? Alors je vais m'arrêter 2 minutes. Comment on fait pour avoir des chiens et des chats? Grosse question. Comment je fais pour avoir un chien et un chat?
Tu as pu regarder avant. Alors, regardons s'il y a des nouveaux objets. Avant d'avoir un chien et un chat, bien sûr. Donc, je vais filtrer par pack. On fait un petit tour et après, on ira. C'est effectivement, il y a un escalier. Je ne suis pas attention. Peut-être les services. D'abord, on va regarder. Peut-être la SPA. Est-ce qu'il y a une SPA? Alors là, ici, j'ai une pièce. Déjà, j'ai une salle de bain. J'ai une chambre chien et chat. Donc là, j'ai avec un arbre à chat. Si vous voyez, on a des arbres à chat. Hein. Ça, c'est pas mal. On a un arbre à chat. J'ai des coussins pour faire dodo. Donc là, j'ai des tapis pour faire les griffes. Ici, j'ai carrément la salle à manger pour aller avec. Ah, j'ai une chambre avec des tapis. C'est station Tododo. Regarde, j'ai un super coussin. Mais je l'avais pas. Donc là, j'ai des tunnels, j'ai des obstacles. Et là, j'ai qu'est-ce que j'ai en plus ici? Bon. Donc regardons. Là, c'était des pièces que j'ai en plus. Allez. Vous savez que je veux les trucs pour les chiens et les chats. Peut-être là, hein. Oh, j'ai une pile de quotidien, je suis content. Ah, j'ai des tapis avec des traces de papattes. Oh, j'ai pour faire des médicaments. Je vais être médecin. Attention, je vais faire la carrière vétérinaire. Donc, j'ai des nouveaux ours. Bon, bref, il n'y a plus qu'en faire dans ces. Il y a plein, plein de nouveaux trucs. Ah, j'ai même un lit, hein. Un lit pour enfants, monsieur Wouf et mademoiselle Miaou. J'ai un lit simple, solitaire, trop drôle. Un lit colonial et des coussins gros dodo. Alors, j'ai ici qui s'éclaire. Alors. Est-ce qu'on peut vendre des chats et des chiens chinois? Bah, pour l'instant, j'en ai pas. Donc, pour l'instant, je peux pas en vendre. Hein, donc, Mais on va revenir à l'écran. Sauvegarder et aller au menu principal. Je pense qu'il faut les créer à l'écran titre. Bah, pourquoi je fais une nouvelle partie? Où c'est que je suis? Je suis ici? Comment je les crée? Créer, mais non. Comment je fais? D'ici, gérer les foyers. Ici. Faire aménager, déplacer. Modifier et ajouter. Alors, on va voir ici. Ah, là, c'est des pauses. Je vois pas les animaux. J'ai pas le paramètre à niveau ici. Ben, je suis justement en train de chercher. Là, je suis dans le menu création. Et j'ai pas animaux, je suis étonnée. Ah, ici. Ah, j'ai trouvé. C'est ici en bas là. J'ai un petit truc. Je peux créer un animal. Hein. Ici, juste ici. Donc, on y va. Eh, je sais, mais il a été trop vendu. Allez, on va faire un petit chat. Oh, pourquoi je suis un bâtard? Bonjour, je m'appelle Toki. 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 Alors là, est-ce qu'on peut changer de race? Là, on peut le faire asseoir, le chat. Faire les papattes. Et coucher. Bon, on va le mettre comme ça.
Alors, ici, on sélectionne du trait du chat. Oh, on peut mettre des traits sur le chat. Super sympa. Alors, moi, j'aime une chatte affectueuse. Après, j'aime bien qu'elle soit joueuse. Les poils longs. Il vomit plus souvent. Ah non, pas un chat qui vomit, je vais pas nettoyer tout le temps. Ah, il a craché! Qu'est-ce qu'on va lui mettre? Futé. Ah, futé, c'est pas mal. Si c'est le nom de la race. Ah, on lui met quoi comme race? Vous voulez quoi comme race, comme chat? Un persan? Donc, on voit. Qu'est-ce qui nous. On peut faire les détails, hein, on peut changer tous les détails du chat. Oh, regardez, je fais un gros nez. Humain. Bah non! J'ai mis persan. Donc, la forme de tête. Là. Hop. Persan. Alors, nous avons une tête là. Nous avons une tête comme ça. Une tête de sphinx, un petit peu. Alors, par contre, je peux pas retourner. Je peux pas tourner le. Je peux pas. Ah, si, voilà. Une tête. Ah, oh, c'est pas mal. Ah, un museau tout tout fin. Alors pour l'instant, le corps il est un petit peu. Donc on va attendre un petit peu. Et. Oh, on dirait un bulldog. C'est trop drôle. J'adore. Donc on va le mettre persan. Voilà. Donc nous avons pour l'instant 6 choix de tête. Les oreilles. Alors nous avons les oreilles. Oh, j'adore les chats avec les oreilles cassées. Oh, c'est trop beau. Nous avons les petites oreilles. Les oreilles toutes rondes. Des grandes oreilles. Des oreilles mi-rondes, là, on est pas très loin. Bon, vous voulez que les oreilles comment? Toutes cassées? Moi, j'aime bien les oreilles cassées. Hein. Allez, cassées tout près, cassées tout long. Par contre, on va le faire un petit peu. Ouais, maigrir. On peut le faire maigrir. Ouais. Faire écraser la tête un petit peu. Casser. Ah, ben voilà. Je savais bien. Donc, ici, le museau. Ah, on peut changer la couleur du museau. Et des oreilles. Hein, ça, c'est pas mal. Ah, j'aime bien le petit museau avec les deux couleurs. C'est toujours mimi. Ah, elle a bien le museau écrasé là. Ça, c'est pas mal. Ah, il est bien remonté. Alors, faut pas choisir des races sans forcément les écrire. Ouais, mais je cherchais parce que. Eh oui, on peut enfin faire des animaux. J'ai pas trouvé aussi que. Mais bon, c'est pas très grave. Alors là, c'est les moustaches. Nous avons trois types de moustaches. J'aime bien les poils avec les moustaches et on peut changer les couleurs des moustaches. Des moustaches bleues. J'ai pas trouvé pour l'instant où c'est que c'était. Hein. Bon, c'est pas grave. J'ai pas trouvé où choisir directement la race et qu'il fasse le choix de race. Ici, je vois que je peux écrire la race. Mais. Non, c'est les moustaches, c'est rose. Parce que moi, je suis Geeky Spy Girls. On est rose, donc il aura les moustaches roses. Je suis désolée pour vos petits chats. Mais c'est notre petite touche à nous de ce soir. Allez, on le fait les grands yeux. C'est la tête du chat ici. En haut du menu à droite. Alors à droite, le menu ici. Non? Je vois pas la tête de chat. Hein, Pour l'instant, il ressort pas grand-chose. On était sur les yeux. Oh, oh c'est trop drôle. Oh, le pauvre chaton. Ah.
Mode peinture. Ah! Ah ouais, mais là je suis en mode peinture, alors c'est pas bon, c'est pas bon. Alors là je reviens. Ah, ici, voilà, filtrer les races, effectivement. C'est vrai que j'ai appuyé directement sur la tête du chat. Voilà, effectivement, j'ai les têtes de chat. J'ai fait deux grosses tâches à piu piu piu. Oui, mais là, ici, j'ai le marque là. Je sectionne pas la pâte. Race ici. Oh, regardez, la papate ici, oui. Là, c'est les races. D'accord. Abyssin. Bottal américain. Ah, d'accord, il y a déjà les races. Effectivement, là, je peux faire les races. Un américain. Un sacré. Oh, les sacrés de Birmanie, c'est trop mignon. Regardez. Miaou, miaou. T'es pas obligé, on n'est pas obligé d'appliquer. Ah, il fallait petit bas, regarde. C'est un chartreux, ça, si je me trompe pas. Un ambitriche. Un chat sans poil. Fais un chat sans poil. Miaou, miaou. J'ai fait deux petites tâches là. C'est trop drôle. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de races, hein, quand même. Je sais pas si vous voyez, mais... Ah, Maine Coon. Oh là là, ils ont fait vraiment beaucoup, beaucoup. Arrêtez de vous moquer de mon accent anglais. Hein. Ouais, ils sont beaux, hein. Ah, ça c'est le chat sans poil. Il n'a pas de poil celui-là. Et voilà mon fameux persan qui arrive. Ah, il était ressemblant quand même. Hein. Eh, regardez, on peut faire un raton laveur, c'est pas le chat. Pourquoi j'ai un raton laveur? Les chiens, c'est mieux. Ah, on commence par les chats. Après, on fera un chien. Premier, on fera un chien et un. Ah, j'aime beaucoup ce chat. Oh, le savana. Ah, oh, je vais faire un savana. Oh, j'aime trop cette race de chien. De chat, pardon. Je vais faire rigoler. Ah, vas-y, passe mon fameux chat avec les oreilles de la tête coupée. Les oreilles cassées. Ah, c'est à moi. Ouais, mais ça s'arrête plus, hein. Ah, si, j'arrive à la fin, j'arrive à la fin. Non, mais je vais les enlever, les points orange. Oh! Voilà, je vous ai gommé, c'est bon? Voilà! Y a plus de points orange. Mouah! Allez, il a effectivement le chat sans poil est là. Hein, pour tous les allergiques. L'Angora turc. Ah, tiens, il a les yeux. Donc moi j'aime beaucoup celui-là. Mais j'aime beaucoup celui-là aussi. Ah, dur dilemme. On dirait un chien. Quel horreur, un chat sans poil. Ah oui. Ah, c'est dur de choisir. J'étais partie sur le persan tout à l'heure, donc je sais pas. Je sais pas si on fait un persan ou. Est-ce qu'on fait un savana? On dirait c'est Bernard. Effectivement, bon allez, on va partir sur le persan. Donc là, on peut changer son corps. Donc tout à l'heure, on a vu toute la tête. Par contre, j'ai pas vu les moustaches roses. Hein. Tu as perdu tes moustaches roses, je suis pas d'accord. Voilà. Voilà.
Donc, on peut changer son corps. Tu peux, tu mets un petit peu, il est un petit peu dodu quand même le perso. Donc là, on peut changer sa queue. Y a pas l'option tigre dans race. J'ai pas vu. Une queue courte ou une queue longue? Bah, une queue longue, le pauvre. Par contre, on peut changer le pelage. Donc pour le coup, ah oui, on peut faire des persans. Ah, c'est bien sympa. Hein. Ah, il est mignon comme tout celui-là. Salut! Donc, qu'est-ce que je... Ah, la fourrure. Alors, on peut choisir des fourrures aussi. Poum. Pas de, peu de poils. Beaucoup de poils. Tout maigre. C'est perdu. Là, il y a les poils très courts. Alors, on va lui mettre un paire dodu parce que moi j'aime bien paire dodu. Ah! Et on a déjà des vêtements. Alors, c'est un petit peu ridicule. On va pouvoir lui mettre donc super chapeau. Non, on va pas mettre de chapeau. Ah! On peut lui mettre un costume de requin. Le pauvre chat. On peut mettre un costume de tigre. Un costume de tartine. Ah, j'adore. Un petit collier. Non, non, même pas le costume de tartine. Soit un petit collier là. Alors, vous voyez, un petit grelot. Donc, on peut mettre rose, bien sûr. Hein. Après, il y a d'autres formes de collier. On peut mettre un nœud papillon. Des petits colliers. Donc, oh, on peut lui mettre un petit manteau. Bien sûr. Vous connaissez la maison rose. Mais alors là, c'est. Moi, je n'habille pas mes chats. Donc, de toute façon, j'ai pas de chat. Alors. C'est Zaf qui les a tous, elle les a tous pris. Ah! Une veste de rocker. Attention, un chat sandwich. Ah! Un chat samouraï. Oh, pauvre chat-chat. Un chat dinosaure. Et un chat sushi. Tiens! Opal, c'est pour toi. Nous avons le chat sushi. Donc non, 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 malheureusement je n'habite pas. Et après on a le mode peinture. Alors là c'est... On peut faire des... Vous voyez, je sais pas si vous voyez des taches sur le pelage. Donc tout à l'heure j'ai fait des taches, mais on peut faire un petit peu des marques, vous voyez. On peut le changer. On peut lui faire des fleurs. Voilà, je peux lui faire des griffures. Alors je peux changer de couleur. Hein, voilà. Moi, je peux lui faire un petit peu de gris, voilà. Hop, hop, hop. Peut lui faire une tache d'encre ici. Voilà. Regardez, c'est tout mignon. Donc là, on personnalise quand même à fond son chat. Il y a des tampons aussi. Alors, je peux lui mettre, hop, des bouches comme ça. Des papattes de crabe. Ah, un Sims vert. Sur les fesses. On peut pas mettre un popo. Voilà. Il est sympa, non? Avec mes. Coucou! Avec mes trucs à l'arrière. Donc, ça, c'était le mode peinture. Après, ici, je peux le bodybuilder. Là, c'est quoi? Je. C'est un chat ou un poney? C'est un chat, il est tout mémé. Et regardez, on va l'asseoir. Regardez parce qu'il est pas mignon. Ah, en dessous il est tout noir. On aurait pu le peindre. Hein. Mais non, il va pas porter plainte. Regardez, s'il est pas mignon, il est devant ses petites bouches et ses petits crabes.
Et j'ai évité. Bon, pour la peine, on va se faire plaisir. On va créer un chien. Donc, hop. Ici, on ajoute animal et on va à chien. Oula! Donc, on va l'appeler. Hop, tempête. Oh, très bien pour un chien, ça. Donc, là, qu'est-ce qu'on a comme race? Oh, ça, c'est affreux. Je déteste ces chiens. Ah, ceux-là sont sympas, j'aime bien. Oh, c'est trop mignon. Oh là là, celui-là, il va mettre le bordel. Oh, il est tout beau celui-là. Ah, il a peur. Oh bah super, il a fait caca. Ah, celui-là est tout mignon. Ouf. Celui-là est costaud. Ah oui, il avait la queue en tire-bouchon. Un beagle. Ah, je déteste cela, je l'aime pas trop non plus. Ah, j'aime beaucoup celui-là. Ah, celui-là est super sympa, ouais. Allez. Un bichon, un petit bichon. Me fais passer à toi, Opal. Ouais, elle a l'air d'avoir beaucoup de chiens aussi encore. Hein. Oh, c'est quoi cette tête? Attendez, attendez, je suis pas arrivée. Oh, elle est mignonne comme tout celui-là. Ah, un border collie aussi, c'est pas mal. Ouais, j'aime pas trop. Oh, celui-là est pas mignon aussi. Dirait qu'il va nous manger tout cru. Un boxeur! Un petit boxeur. J'aime beaucoup les boxeurs. Un n'est pas important. Oh, c'est sympa aussi. Ah, attention, nous avons le bull terrier. Derrière, nous avons le bulldog. Qui fait plus de bruit quand il ronfle que n'importe qui. Allez, t'as qu'à manger aussi, hein. Ouais, papa, vas-y, mange. Alors celui-là, je pourrais pas vous le prononcer le nom, hein, c'est trop compliqué. Hein. Ouh, coucou. Ah, attention. Il y a le chihuahua. Chihuahua. Ah, le chouchou, j'aime beaucoup les chouchous aussi. Ah, et un chouchou panda. Ah. Il y a chouchou panda. Hein. Ah, c'est trop drôle. Un labra chouchou. Ouais. Il y a beaucoup de chiens. Hein. Il y a beaucoup, beaucoup de races hein, là. Si, Ah, bah non, c'est chien-chat. Moi. Il y a la scie. C'est parti pour la scie. Ah, les teckels. Les chiens saucisses. Bonjour, chien saucisse. Comment vas-tu? Un dalmatien. Alors, avec des points. Ah oui, au moins de points. Dingo. Oh, si, il y a le cocker. Le cocker, il est sympa aussi. C'est tard. Oui, il est là, le cavalier King Charles. Cavalier King Charles. Parle pitbull, j'ai tranquille. Hein. Attendez, je suis pas arrivée au Rottweiler encore. Hein.
renard. Et comme d'habitude, ils mettent un animal qui a rien à voir. Donc tout à l'heure, on avait un relato vaveur, maintenant on a un renard. Allez, bulldog français. Un braque. Bien sûr, le traditionnel berger allemand. Ah, ben oui. Oh là 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 là. Ah, c'est un genre de chien dingo quand même. Un dog allemand. Un chien des montagnes des Pyrénées. Lévrier. Ah, ça c'est chien. J'adhère pas. Hein. Un bichon. Un punko d'Ibiza. C'est quoi ça? Chien berger, il se demandait. Un setter anglais. Il y a beaucoup de chiens là. Setter irlandais. Il y a plus de chiens que de chats là. Ah non, non, j'aime pas les caniches. Hein. Sinon, je prends un chihuahua. Hein, un Jack Russell. Oh là là. Ah, ou un cavalier King Charles. Hein. Regardez, il est pas tout mignon, ce petit bébé tout chouchou. Ou un labrador. Un labrador tout chouchou. Eh, ça finit jamais là. Hein. ça défile, on en a un paquet à plus savoir quoi faire. Hein. Là, si vous n'avez pas votre chien que vous aimez dedans, prenez un husky. Ah. Va falloir voter là. Hein. Ah, un Terre-Neuve, on va prendre un Terre-Neuve, c'est très bien, comme ça j'aurai la place à la maison. Faudra une grande, grande maison. Oh là là. Eh, faut pas que je prenne un poney, hein. Un chien à loutre. Un épagneul papillon. Ah, ils sont en fond dans les chiens, hein. Un pékinois. Ah là, elle a encore fait un popo, hein. Ah, un corgi. Oh, chien pharaon. Un pitbull. Bah, elle prend un pitbull. Ah, ce marin, il a l'air plus sympa là qu'en vrai, hein. Berger polonais des plaines. Spitzin. Ah ouais, bah ça tient ça, c'est un truc des stars ça. Ah, attention, j'ai un beau caniche toiletté. Oh, il y en a même deux. Oh, on a trois sortes de caniches. Ah, je crois que les développeurs, ils aimaient le caniche. Hein. Oh, un carlin. Oh, un carlin, c'est sympa aussi. Ah, un Rottweiler. Alors, là, j'ai un petit fait pour les Rottweiler, moi. Prends un dog argentin. Oh, bah. Un Shiba. Oh là là. Un Saint-Bernard. Mais ils arrêtent pas de faire caca, ce chien. Va falloir que je sorte une motocrotte, quoi. Un Sharpei. Il y a un Sharpei aussi. Un Shih Tzu. Un Shih Tzu. Un Shih Tzu. Un Husky sibérien. Waouh, ouais, un Husky c'est sympa aussi. Hein. Ça va me faire des dégâts dans la maison, ça. Je commence à arriver à la fin. Hein. Je vous annonce quand même. Hein.
Le choix est quand même compliqué. Ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais faire un aléatoire. Et on va voir sur quoi il va tomber. Un dog du Tibet. Oh là là, c'est pas stock. Un toy fox terrier. Ils en ont fait des petits maintenant. Un braque. C'est quoi ce chien? Encore un lévrier. Un fox terrier. Et un Yorkshire pour finir. Qui pour une fois ressemble bien. Et après on a un mélangeur de races. On peut mélanger les races. Qu'est-ce qu'on fait? Si je peux mettre un... Je peux croiser. Je peux croiser ça avec ça. Là là. En plus on peut mélanger les races. Ok. Donc on va faire un petit aléatoire et on va voir ce que l'aléatoire nous donne. Ah non, 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 ça je suis pas d'accord. Pour le coup, mais là j'ai un chihuahua avec un pitbull. Regardez le caniche. J'adore. Un corki. Allez. Allez, allez, on va prendre. Moi, j'aimais bien le husky, hein. Non, là, c'est un malt. Le husky, il est plus bas. Je voulais un chien moyen, quand même. Il y avait Carlin qui me disait mais c'est pas un moyen. Oui. Bon, moi j'aime bien les cavaliers King Charles. Donc je suis désolée. Pour la première fois, je vais prendre un petit chien. Après, on en fera peut-être d'autres avec le gameplay, je pense, sur ma chaîne. Où on ira un petit peu plus loin, on choisira d'autres. Et là, sur ma chaîne, je prendrai les chiens que vous souhaitez avoir. Donc, niveau corps, bon, c'est comme les chats, hein. Donc là, on a quatre corps, bodybuildés, hein. Donc, nous avons... Ah, là, il y a plus de queue que pour les chats, pour le coup. Ah, le chat, je l'ai déjà fait juste avant. J'ai pris un persan. Donc soit on a la queue relevée, soit on a un tire-bouchon, tire-bouchon tout plat et queue courte. Donc avec une chara, elle a la queue longue quand même. Donc là je peux changer le motif du pelage. Donc soit je peux le peindre, hein, bien sûr. Comme tout à l'heure, bon je me suis fait un petit peu... Quoi, quand même pas le pauvre. Ouais, là je peux le mettre... Ah, on peut carrément lui mettre les autres. Oh, il est trop beau comme ça. Mais non, regarde, je suis devant les chats. Tout blanc. Oh non, il est pas beau tout blanc. Bon. Oh. Alors après, dans certains, j'ai des couleurs, hein, parce que je peux l'inverser des couleurs tout gris. Ah, je l'aime bien comme ça. Hein. Non, pas comme ça. Mais il y a encore un choix, pas possible. Un renard, avec King Shire, un renard, regardez. Pelage de renard. Pelage de husky. Aïe 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 aïe. Ouais, attention, là il est en avatar.
est déguisée en avatar. Il a pas de patchwork, oh là là. Ça, faut regarder ça. Il a un patchwork, c'est affreux. Un robot. On peut la squelette. Ils ont fumé un petit peu, hein. On peut lâcher panda. Je peux faire un panda. Petit panda. Dalmatien. C'est un petit peu ça, oui. Pelage berger allemand. Ah! Et rose! Je peux le mettre tout rose? J'ai le droit de le mettre rose. Après, je peux changer. Hein. Là, je peux changer. Je peux mettre, par exemple, vert. Rose fluo. Ah, bien sûr, on peut tout changer parce que là, je peux changer la couleur et. Pourquoi j'ai pas le droit de mettre rose? Soit runner, soit var. Non! Chasse panicorde. Donc on va arriver au museau, hein. Où là, vous voyez, il y a les différentes têtes. Donc je vais pas changer les têtes là. Mais il y a plein de têtes différentes. Donc là, c'est pour le faire soi-même, hein. T'as choisi. Donc là, il y a les oreilles qui pendent. Il y a plein de petits museaux. Là, si je veux lui changer le petit museau, lui mettre le petit museau comme ça, je peux. Les yeux. Je peux lui mettre les yeux verts. On peut les faire les yeux verrons, voilà, si on veut. Voilà. Donc ça c'est sympa. Faire les yeux bleus. Et puis on passer en mode peinture. Ouais, j'ai même pas pu lui mettre des moustaches roses, quoi. Parce que mon chat, il a des moustaches roses. Mon chien, il aura un collier rose. Donc, voyons la fourrure, donc on peut lui mettre un poil. Ouh! Donc il y a encore plein. Oh là 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 là. À poil court. Ah, c'est pas grave, c'est pas grave. Le pauvre. Regardez avec une poil de Shih Tzu. C'était quoi sa fourrure là? Parce que pour le coup, j'ai un petit peu perdu ce qu'il avait. Hein. Pauvre chat. Alors attends, pour le coup j'ai perdu ma. Voilà, c'est mieux. Allez, on va l'habiller un petit peu ce chien. On va lui mettre un neuneu. Il est pas mignon avec un neuneu? Sinon on lui met une tranche. Oh, une licorne. Il peut avoir une licorne. Non, on va revenir au chat et. Non, mon chat est tatoué. Zafira a posé. Pas très contente. Non, il ne met pas une tête de licorne. On va lui mettre un collier rose. Un collier à pointe rose. Il y a nos papillons. Non, mais on va laisser collier comme ça, il est pas plus mal. Donc on peut lui mettre un pull. Bon, bien sûr, rose, hein. Pauvre pull. Non. Donc il y a plein de petits pulls. Alors, je vais le tourner un petit peu. On peut te mettre en pyjama. Un dinosaure. Oh, dinosaure, il est trop mimi. Un hot dog. Voilà, c'est un chien hot dog. Un pull. On peut lui mettre un bandana. Oh, le bandana, c'est sympa. Là, on va lui lever le collier là. Et le bandana, si on peut le mettre.
Avec des fleurs, regardez comme ça, elle est mignonne avec les fleurs. Hein. Avec une papatte. Ah, avec une petite. Ah, avec un déguisement de chat. Ou un requin. Non, on va lui mettre un bandana. Un banana rose. Voilà, elle est tout mimi comme ça, un banana rose. Donc après, on peut le faire perdre de vue ou pas. Hein. Athlétique ou pas. Au milieu. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on va lui faire? Donc, les cavaliers qui tiennent sont stressés. Donc. Détective. Ah, c'est pas mal. Moi, je vais la mettre fidèle. Et je vais la mettre. Non, pas têtue, pas mollassonne. Intelligente. C'est pas mal ça. Il s'appelle Tempête. Est-ce que vous voulez revoir le chat? Pour tous ceux qui l'ont pas vu, je vous montre. Toki. Toki, c'est notre chat. Qui a les fesses commis derrière. Donc pour le coup, on va changer la race. Ouais, c'est une fille, non? On peut pas choisir si c'est un garçon ou une fille. Donc on va changer la race. On avait dit que c'était un persan, donc je vais remettre un persan normal. Je vais lui enlever toute la peinture. Voilà. Avec du pinceau. Non, parce que bon, pour le coup. Pauvre Chacha. Voilà. Est-ce qu'il en a devant? Je crois qu'il en a devant. Voilà. Mais par contre, ça lui a enlevé les moustaches roses. Hein. Moi, je suis pas d'accord. Hein. J'ai des moustaches roses. Voilà. Et c'est parti! Donc, on va jouer donc avec dans notre foyer. Bah oui, non, mais j'ai gommé toute la tête, donc j'ai remis moustache rose. Hein, donc, bah, il a déjà aménagé, non? On était là, hein? Voilà. Allez, on est parti. Alors, donc voilà, bonsoir à tous. Donc j'ai fait mon chien et mon petit chat, puisque j'aime les chiens et les chats. Donc on va découvrir un petit peu plus ce qui se passe, ce qu'on peut faire avec eux, parce que pour le coup, voilà, on peut leur donner du dressage, être méchant, donner du soin, être malice, être Mickaël. Oui, bah ça va. Bon, pour le coup, je pense qu'il faut que j'achète un tapis. Mais j'ai plus d'argent. Oui, le chat est plus gros que le chien. Oh, c'est bon, ça va. Hein. Donc, je vais commencer par trouver un métier. Et le but, bien sûr, c'est de cette add-on, c'est de prendre la carrière vétérinaire. Donc, j'ai pu acheter une clinique vétérinaire. Faut que j'achète une clinique vétérinaire. Je crois que j'aurai pas assez d'argent, qu'il va falloir que je truande pour avoir plein d'argent puisque j'ai plus d'argent. Donc achat d'une cuillère fond avec ben moi je voudrais c'est là où c'est que je peux acheter une clinique vétérinaire. Il me faut quand même 86 000. Donc sacrée clinique vétérinaire quand même à 86 000. De falloir que j'ai plus d'argent. Donc on va aller chercher le petit code pour tricher un petit peu, hein. Je dois pas faire vers vétérinaire sans clinique. Ah bon. Alors on va regarder si je dois pas faire vétérinaire sans clinique.
trouver un emploi alors. Ah, il y a mon petit chat qui rentre. Enfin, pour le coup, j'ai pas assez d'argent. Non, il n'y a pas la carrière vétérinaire. Il faut avoir absolument, puisque j'ai médecin, détective scientifique, affaires, agent, astronaute, athlète, auteur, critique culinaire, gourou, médias sociaux, peintre et politique. Donc non, malheureusement, je dois avoir ma clinique. Pour le coup, il me fait 80 000 flouzes, donc pour le coup, il va falloir faire un petit peu de triche. Mais c'est bien sûr, c'est pour voir le gameplay. Je n'ai jamais l'habitude d'utiliser les codes des Sims 4, puisque la pouffe, je ne les connais même pas. Bonjour à tous. Alors, non, t'es obligé d'avoir un terrain, il y en a à côté de la grande. Elle. On va peut-être pas tricher, hein. Parce que je sais pas comment faire. Donc, je joue tellement aux Sims que j'ai tellement l'habitude de pas tricher. Qu'on va peut-être aller juste visiter la carrière. Il est là, effectivement. On va se mettre 100 000 et c'est fini. Voilà, comme ça, j'ai assez d'argent. On va pouvoir acheter donc. Je vais revenir là, la clinique qui était juste à côté de nous. Alors, je suis élève agent de police, donc je ne suis pas d'accord. Donc, je vais acheter une clinique vétérinaire. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, donc je la prends dans mon quartier. Donc je peux acheter la belle clinique vétérinaire qui est juste à côté de là. Donc on y va. Je confirme que j'achète la clinique vétérinaire et meublée. Pour le coup, je déménage mon foyer. Donc, alors, montant à transférer. Je peux pas tout transférer? Ah, mais on va aller voir, on va aller voir. Donc, donc là, je possède déjà l'activité. Il faut engager des employés qualifiés, gérer correctement et améliorer mon niveau de compétence clinique vétérinaire. Donc là, j'ai un commerce. Donc, on va visiter un petit peu cette clinique, cette très très belle clinique qui est juste là. Donc là, j'ai un très bel accueil. Bonsoir. Donc là, je suis partie directement jouer à l'ordinateur, hein, parce que bon, moi, je travaille vachement bien.
Oh, mais c'est pas grave, je vais engager des gangs compétents. Donc, ici, gérer les employés. Donc, je peux engager quelqu'un. Nous allons engager quelqu'un. Donc, il y a Eric Lewis qui me disait bien, mais bon, il n'est pas top top. Il y a Zoé Patel, mais je la maltraite déjà dans un autre. Alors, je vais engager un vétérinaire. Alors, elle s'est bien soignée. Donc, comme tu vois, j'engage un vétérinaire. Voilà. Donc, j'ai un vétérinaire. C'est juste un commerce. Effectivement, c'est pas une carrière. Donc là, on doit gérer un commerce. Donc je peux ouvrir. Je peux ouvrir ma. Donc là, vous voyez, j'ai un petit salon de toilettage tout mimi. Juste derrière, j'ai une radio. J'ai un microscope, j'ai des toilettes, bien sûr, hein. J'ai deux toilettes. Attention, très important. J'ai un aquarium aussi. Allez, j'ouvre ma clinique. Après, on va aller s'occuper des animaux chez moi, puisque vous avez envie d'y aller. Voilà. Alors, j'ai quelqu'un qui est déjà apparu dans ma clinique. Ah, il y a des gens, attention, qui arrivent. Haha. Alors, moi, je vais arrêter de jouer aux jeux vidéo, peut-être. Il faudrait peut-être que je travaille un petit peu. Oh, regardez! Il a des petits chaussons, il a des petits pales aux pieds. Donc voilà. Donc, accueillir le patient. Et remarque, j'ai pas mis de feu encore. Alors, soigner un patient. Blue n'est pas comme d'habitude. Je crois qu'elle ne va pas bien. Pourriez-vous l'examiner? Mais bien sûr, je vais l'examiner, c'est avec plaisir. Donc là, j'ai un petit 3 dessus. Hop! Regardez, je me suis transformée. Pshh! Comme Wonder Woman. Donc on suit l'animal. Oh, hey, c'est électrique et tout. Hein. Oh, pshht! C'est vachement bien, hein. Mon veto, il a pas ça, lui. Hein. Puis moi, le chien, il se couche pas dessus. Hein. Alors. Donc, diagnostic inconnu, c'est vachement bien. Examen. Donc, prendre la température. Allez. Oula. Il est pas super content, hein. Calmez. Calmez l'animal. Ah, il est un petit peu. Ah, regardez, j'ai la compétence qui monte là. Nouvelle compétence. Ah, tiens, j'ai un autre veto qui est arrivé quand même, hein. Donc, on va écouter le cœur. Ah, elle est déstressée en fait. J'ai calmé l'animal en haut, ici, et elle est devenue. Oui, mais là, je sais bien, mais d'abord, il faut que j'examine l'animal. Examiner, inspection de la peau et de la fourrure. Allez. À l'autre côté, avec mes oreilles de chat, je suis sûre. Alors là, il faut que je recalme mon animal, puisque vous voyez, ça remonte. La tension remonte, donc je recalme l'animal. Donc là. Voilà, je l'ai recalmé, donc là, je peux y aller. Je peux lui refaire des petits examens. Il a les yeux secs. Et je vais examiner la gueule. Attention! Donc comme ça. Là, attention. Je vais.
prendre le dossier médical. Ah, faut quand même recalmer 2-3 fois pour y arriver. Allez, je calme mon animal. Il reste quand même un diagnostic, donc il va falloir que je prenne la température. Hein. De l'autre côté, il s'appelle Blue. Hein. J'ai soit examiné les yeux, soit prendre la température. Donc, Coco! Ah là, il est calme, je peux le prendre la température. Hey, hey! J'ai débloqué le niveau 2 d'une compétence. Donc c'est une compétence vétérinaire. Donc là, est-ce que je peux le traiter? Je sais pas s'il faut. Traitement. Spray antiparasite. Spray antiparasite. Allez. Pchit, pchit. C'était vert alors. Ah! Yes! Eh, j'y suis arrivée, vous êtes mauvaise langue. J'ai traité mon premier patient. Voilà. Ah, par contre, j'ai plein de gens qui attendent derrière. Et voilà, j'ai gagné de l'argent. Allez, je vais voir le petit chien suivant. Alors, avec mes oreilles de chat. Allez, attention, je vais traiter Henri. Je vais accueillir le patient. Allez. Allez. Il faut faire le bilan de santé. Allez. Pourquoi tu me l'amènes s'il va bien? Allez hop. On va faire un bilan de santé. Alors attention, j'ai un nouveau truc. Je suis heureuse parce que j'ai vu un toutou. Alors attention. Table électrique. Ouais, l'autre. Je sais pas pourquoi j'engage les gens. Hein. C'est bien, les chiens ils se couchent automatiquement. Oula! Alors là, il est calme. Hein. Donc je vais écouter la respiration en premier. Vous avez vu, le maître il est pas venu. Ah, il arrive. Donc il en est propre. Je vais écouter son cœur. Ah ouais, ouais, très très obéissant ce chien. C'est bizarre parce que moi, quand je les amène chez Vito, ils sont jamais comme ça. Hein. Alors, on va faire un examen. On va examiner les yeux. Alors là, je vais examiner la... Ah, alors là, il est stressé. Il faut que je le calme. Oh, j'ai déjà dû prendre niveau 3. Ça va vite, hein. De l'autre côté, il est 14h. J'ai fait que 2 patients. Voilà. Mauvaise haleine, standard. Eh ben, c'est bien. Je vais prendre ta température. Est-ce qu'un soignant peut prendre le feu? C'est bizarre. Tout le monde me demande piqûre préventive. Allez hop, on fait une piqûre préventive. Je sais pas pourquoi sur tous mes stream sims, tout le monde me demande si on peut prendre feu. Effectivement, mais je pense que je suis capable de mettre le feu chez le veto. Je pense que je suis capable, effectivement. Alors, il y en est quand même dimanche. Et je soigne quand même 2 chiens. Je suis vachement bien. Quoi, les chiens peuvent mourir que de vieillesse? Oh là là. Et je dis pas au revoir. Bon, tout le monde part. Ah, attention, il y a un chien dehors qui arrive avec une veto qui fait toujours rien.
Allez, on va accueillir le patient. Patient suivant. Effectivement, j'arrive à... Oui. J'ai pris une baignoire qui a pris le feu. Allez, j'ai... Oh! Attendez, il y a Caniche Bleu. Attendez, vous parlez de moi là? Mais regardez ce qu'ils ont fait les autres. Pauvre Caniche avec la coupe roc. C'est Namasté en plus. Effectivement, ça sert à rien. Et moi, je marche comme une danseuse. Ah, attention, je vais sur la table rose. Mais je peux accueillir plus, j'ai deux tables là. Je pense qu'on va commencer par examiner la gueule. L'attente est courte et agréable. Oh, bah, ça va. Ah, j'ai niveau 3. Alors, qu'est-ce que j'ai appris? Je peux fabriquer des pâtes à mâcher à la cannelle épicée avec une machine à médicaments. Donc, j'ai écouté à ça. Ben, peut-être faut que je regarde parce que là j'étais. Qu'est-ce que je peux lui faire faire à elle? Gérer Supriya. Ah, voilà. Je peux la féliciter, la critiquer. Je peux lui payer une formation. Alors, on va voir juste après. Hein. Je finis le chien et puis on va voir comment on gère la personne. Il est quand même bleu, il est quand même bleu, hein. Je vais inspecter les oreilles. Ah, c'est peut-être parce qu'elle elle est toute glacée là que. Elle est toute bleue. Ah, j'ai un hamburger. Examen. Inspection de la peau. Salut! Ha ha ha! La fièvre du festival d'hiver. Qu'est-ce qu'on le fait? Ah, c'est pas mal le traitement, il y a le pouce vert, donc ça c'est facile à décrypter. Ce qu'il faut pas donner, c'est les pouces en bas. Donc bon. Là, je vais te donner le traitement du guéritout. C'est quand même vachement bien. Parce que j'ai quand même la fièvre du festival d'hiver. Ha. Donc là, j'ai fait... Alors, je vais aller voir ma... Je vais aller gérer mon... Alors, est-ce qu'elle est toujours bleue? Eh bien, effectivement, non, regardez. Elle n'est plus bleue. Elle est d'une couleur un petit peu près normale. Donc, je peux la gérer. Donc, gérer, Supriya. Alors, soit je la prouve au poste de vétérinaire niveau 2. Ouais, déjà, il faut déjà rien. Faut déjà rien, quoi. Je peux la licencier, je peux la féliciter. Je peux la critiquer. Je peux lui donner une responsabilité ou je peux lui payer une formation. Je paye une formation courte. Alors, on va payer un petit peu la formation. Allez, je suis super sympa. Pour le coup, quoi, j'ai encore une cliente, mais moi je peux pas là. Ah, je vais payer la formation. Faut que j'aille faire pipi. Et moi, je voudrais fermer la. Non, vous allez pas squatter le magasin. Hop, hop, hop. Nous allons fermer le magasin. Voilà. Donc là, j'ai fermé pour repartir. Donc, point marée. Ah, faut que je m'améliore mes traitements, effectivement. Ah, faut que j'aille des plus beaux meubles. Et mon point fort, c'est le temps d'attente. Pour le coup, j'ai gagné 295. Ok.
Alors, oh bah tiens, il m'a fait pipi là. C'est cool. Bon, elle est partie, hein. Il faut que j'y suis. Allez, c'est parti. Donc, on va rentrer à la maison parce qu'on va voir ce qui se passe chez nous quand nous on a des animaux. Puisque là, on a vu la clinique, on y reviendra tout à l'heure, hein. Donc là, on rentre à la maison. On va manger un petit peu, puis on va s'occuper donc de notre chien et de notre chat, qui notre chien est plus petit que notre chat. Bon bah tout arrive, hein. Si vous avez un Maine Coon et que vous avez un Yorkshire, c'est sûr, votre chat est plus gros que votre chien. Bah, là c'est pareil. Alors par contre, j'ai rien mis pour faire manger mes chats et mes chiens. Donc moi j'aime bien ne pas avoir de mur. Et donc on va aller mettre donc justement. Je pense ici, voilà, j'ai une petite gamelle. Oh, vous n'avez pas commencé, hein. J'ai un autodistributeur de croquettes. Donc on va mettre une litière automatique, hein. Non parce que c'est pas tout, mais moi je me déteste nettoyer la litière. Mettre un petit griffoir ici. On va faire un petit arbre à chat rose, bien sûr, hein. Tout est rose chez moi. Ça c'était pour les chats-chats. Et un petit tapis pour faire dodo, bien sûr qu'il est rose. Pardon. C'est le mot magique des chats croquettes. Est-ce que j'ai quelque chose pour les chiens? Alors j'ai des babales. Donc ici, alors ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai des litières, donc ici. Donc on a vu les coussins pour faire dodo. À mettre un autre coussin un petit peu vert pâle pour le deuxième chat là, hop, voilà, comme ça il sera un petit peu tranquille. Et j'ai pas mis, oui j'ai pas dit, j'ai pas mis les gamelles, gamelle à gamnou et à mouache. Donc on va mettre une gamelle par ici là. Allez, où la cuisine? Ah, ici. Et on va mettre une autre gamelle ici juste à côté, voilà. Donc, maintenant que j'ai mis un petit peu de choses, on va peut-être mettre une babale aussi. Allez, hop. Maintenant qu'on a mis un petit peu d'objets qui vont avec les animaux, on va aller s'en occuper. Donc, parce que là, je peux l'appeler. Donc, il y a Tempête et Toki. Donc, Tempête, qu'est-ce qu'on peut... On peut la dresser. Alors, on va commencer à dresser Toki. Et on va lui demander de s'asseoir. Ah oui, j'étais partie manger. Évidemment, comme d'habitude, les Sims ils posent tout par terre. Hein. Où c'est que je vais là? Oui, Toki, elle est là. Hein. Alors. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Ah! Donc je peux l'adresser, ça y est. Alors, qu'est-ce que je peux le soigner? Ah! Je pense qu'il faut que je la promène. Je peux aller la promener. Pour une courte promenade. Allez, juste après, on va faire une courte promenade. Oui.
Ah mais attends, pourquoi tout de suite là? Non mais Toki est trop petite, hein, la bière elle est plus grande que lui. Il peut pas me la ramener. Donc on va arrêter et on va aller promener de notre petit chien. Après je vais chercher chat, comme d'habitude le chat il s'est encore parti. Voilà, c'est transformé. Oui, bah t'as faim, hop, tu vas promener quoi. Allez. Alors, où c'est qu'on le promène? Ah oui, puis elle tire pas sur la laisse, elle est derrière toi alors que devant t'es en train de courir comme ça. Reviens le chien, c'est pas possible. Là, je promène mon chien. Hein. Oui, j'ai faim, je sais que j'ai faim. Alors, on la suit. Hein, voilà, elle avance. Hein, le chien sont contents. Ils font joujou. Ah, il creuse. Ah, comme j'ai mis vitesse rapide, parce que voilà, hop. Ah, elle est courte, elle est pas courte cette promenade. Elle est super longue, oui. Ah, voilà. Alors, j'ai mon petit chat que vous voyez qui est ici. Donc d'abord, je vais manger. Faut que... Ah! Oh, il est mignon, regardez, il dort juste à mes papattes. Comme un vrai chien. Alors, je crois que mon chat a faim. Donc ici, on peut mettre remplir toutes les gamelles. Après, on va remplir toutes les gamelles. Voilà. Donc on va monter à l'étage dormir. Hein. Et après on va continuer un petit peu à voir tout ce qui se passe avec mes chats. Alors c'est bizarre, je trouve personne qui dort. Alors qu'est-ce qu'ils ont? Alors attendez, parce que... Ils sont pas contents parce qu'ils n'ont pas de tapis en haut, j'imagine. On va leur mettre des petits dodos. Juste à côté de moi. J'ai mis des petits dodos en bas. On va mettre des petits dodos en haut. Oh, c'est un gros dodo. On va mettre des petits dodos. Elle est trop gros celui-là. Voilà. Prendre une photo de son animal sur Instagram. Pas mal ça. Ah voilà, le chat était là. Il a rien eu, il est reparti. Ah bah t'as le choix, tu peux monter sur le lit ou t'as des petits dodos à côté. Hein. Ah bah là, le chat est devant la lampe et il regarde la lampe. Ok, d'accord, petit chat, regarde ta lampe. Hein. Ah bah tiens, il est monté sur le meuble, il fait dodo, comme un chat. Un chien, il est juste là, regardez. Il dort comme une crafe. Non, ne pas accompagner. Alors en fait, ce que j'aurais dû faire, c'était quitter mon travail. Comment je fais pour quitter mon travail? Je me souviens plus comment je fais pour... Pour démissionner. Voilà, démissionner. Non. Voilà, je vais démissionner parce que moi je... Regardez ce log de chat qui dort sur le canapé, de chien.
Je suis heureuse parce que je démissionne. Youhou! Bah, j'ai magasin, j'ai rien. Voilà. Voilà. Maintenant, je vais repasser en tenue. Changer de tenue. Voilà. Je vais remettre ma tenue avec les oreilles de chat, c'est mieux. Donc là, bah, j'ai mes chats et mes chiens qui dorment. Pourquoi ils font pas grand-chose. Il est 8 h du matin. Alors voilà, de quoi j'ai besoin? De me doucher. Profiter qu'ils soient pas là pour faire tout ce qu'il faut faire pour remonter. Attends, ah! Donc j'ai le chat qui vient manger. Évidemment, il était tout content. Donc j'ai mangé. Ah, allez, tiens, chat, il a fait un salitière. Ah, c'est toi tout seul, la litière, hein. Oh, regardez. Oh, c'est la litière du futur. Oh là là. Salut, à tous les nouveaux. Ah, ça, c'est beau. Alors, lui, il a envie de faire pipi. Hello. Alors, on va lui faire faire ses besoins. Alors, les abreuvoirs. Ben, on va regarder alors hein, s'il y a des abreuvoirs. Mais j'ai pas vu d'abreuvoir. Hein, parce que là, j'ai les gamelles. Donc là, j'ai la gamelle miaouf. Là, j'ai le distributeur automatique de nourriture. Je n'ai pas d'abreuvoir. Il n'y a point d'abreuvoir. Les chats et les chiens ne boivent pas. Je peux regarder, mais je suis désolée de vous annoncer qu'il n'y a pas d'abreuvoir. Hein. Il n'y a pas de gamelle pour l'eau. Ça n'existe point. Si je regarde, qu'est-ce qu'il y a eu pour le pack chien et chat? Chien et chat, j'ai des toilettes. Je n'ai pas d'abreuvoir là. J'ai plein de tapis. Salut! Mais je n'ai pas. J'ai des litières. Malheureusement, y a pas. J'ai pas eu d'abreuvoir. Hein. J'ai plein de rideaux. Donc il n'y a pas d'abreuvoir dans ce jeu. On va pas mettre rideau, hein. Voilà. Allez, on va lui faire faire ses besoins. C'est pour pas apprendre à faire de la litière comme les chats, lui. Ah mais ça va. Alors, je vais faire un câlin à mon chat. Allez. Qui est en train de jouer. Et mon chien, bah, il est allé faire pipi tout seul. Voilà. Il s'en va. Ah ben non, il fait popo. Ah, faut quand même que j'y suis. Ah, je peux ramasser. Alors, je vais quand même ramasser les popos de mon chien et de mon chat. Hein, parce que nous sommes écologiques. Hein. Faut allumer pour essayer de nettoyer le flaque sur le sol de terre. Donc, j'ai mon chat. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Je vais aussi le prendre dans mes bras. Tenez, voilà. Oh, bah, je peux prendre le chat et le chien. Ah non, tiens, je te dépose dans ta flaque, allez. Voilà. Je peux lui faire un câlin. Voilà. Oh, il ronronne et tout. Ah, ça fait monter la compétence sociale. Allez, on va
va promener un petit peu. Je pose deux chats, hein. Poser le chat-chat. Alors, est-ce qu'on peut dresser un chat ou pas? C'est une bonne question. Non. Alors que je peux dresser le chien. Donc, on va le caresser, hein. Je ne peux pas. Donc là, je fais une nouvelle aspiration, hein, qui est ami des animaux, bien sûr. Je sais pas si vous l'avez vu au passage. Donc je suis au premier, c'est avoir un animal dans son foyer, être ami avec un animal et se comporter amicalement. Donc là, il n'y a plus de croquettes. Donc on va remplir les gamelles. On dépense tout notre pognon pour les chiens et pour les chiens, quoi. Voilà. Il est où le chat? Le chat, il est sur la table, mais c'est pas possible. Je peux pas faire grand chose. Ok, pour le chat, on fait pas grand chose. Ah, je fais. Il est où mon chien? Ah, j'ai l'obsession d'amusant. Ah. Donc, tempête, on peut le dresser. Ah, d'accord, ok, je prends une douche. Non, je prends une douche, hein. Un toki, il aime pas la douche, il veut pas aller à la douche. Tempête, je suis stressée, ne lui faites pas peur. Donc, il faut que je la dresse. Continue à apprendre à s'asseoir. On va continuer à apprendre à s'asseoir, mon chien. Allez. Ah, je pense que je pourrai le disputer bientôt, mais comme il n'a pas fait de bêtises encore, je sais pas trop ce qu'il fait. Hein. Ah, ben là. Là, méchant. Je peux le. Voilà. Pour gronder, pour avoir sauté pour le plan de travail. Là, je peux l'avoir grondé parce qu'il est sur le plan de travail. Donc, j'ai arrêté. Donc, là, effectivement, je peux le faire. Donc, c'est dans la compétence méchant. Non, on va arrêter de m'envoyer des SMS. Donc là, qu'est-ce que je fais? Parcourir les livres, mais je vais pas parcourir les livres. Je veux toujours le dresser, hein. Je devrais apprendre un truc, hein. Oh, c'est une charge d'affection. J'ai encore le chat sur le truc là. On va gronder le chat. Tempête a appris à s'asseoir. Aha! Qu'est-ce que je fais? Où c'est que je suis là? Il était juste là le chat. Ah oui. Alors attention. On va pas gronder mon chat non plus. Quoi? Qui c'est qui a fait caca par terre? Non, j'ai pas de caca. C'est une balle? Ça, c'est une baballe. Non, j'ai disputé parce qu'elle est montée sur les plans de travail. Allez, j'ai appelé mon petit chat parce qu'elle est pas contente. On va lui faire un petit peu de caresse. Ah, est-ce que ça marche? Parce que les chats arrivent comme les chiens. Ah ben oui, effectivement, ça marche très bien. Tu l'appelles, hop hop hop, elle arrive. Caresser.
Ah, Mickaël, jouer avec un pointeur laser. Je joue avec un pointeur laser, on va voir ça. Voilà. Donc, je rappelle, mon chat a donc des moustaches roses. Hein. Regardez, je suis super sympa. Je joue avec mon chat. Est-ce que vous aussi, vous avez un pointeur laser pour jouer avec votre chat? Qu'est-ce qu'on peut faire? Je vais cajoler sur le canapé. Ah, il faut que j'attrape pas le chat et je vais sur le canapé. Si je m'assois sur le canapé, le chat il arrive. Oh. Gros squat du chat. Ah, le chat qui fait 250 tours pour s'asseoir, c'est tout à fait ça. Ah, bah, déjà parti. Donc là, malice. Ah, je peux pas effrayer. Ah, ok. Mon chien aime pas les chats. Je suis pas dans la cacahuète, moi. Voilà. Plus de choix. Être gentil avec. Oula! Namasté, Henri Toki, d'accord. En plus, je peux inviter donc les autres sur le terrain. Allez, bon, j'ai mon chien qui dort. On va peut-être aller au travail, hein. Allez, on va aller. Voilà notre magasin. On va continuer la compétence vétérinaire. Et donc, gérer ma clinique vétérinaire avec ma super vétérinaire qui fiche rien. Bon, il est juste 17h, mais on va quand même mourir. Hein. Oui, j'ai une démarche assez particulière, effectivement, j'avais pas vu. Hein. Mais bon. Qu'est-ce qui se passe ici? Alors, pour le tas, j'ai pas assez pour acheter des avantages. Une qualité de matériel vétérinaire, c'est 500. Voilà, on va débloquer la qualité de vétérinaire. Hop là. Allez. Ouais, lui, il vient pas pour des animaux. Ouais, il vient dans une clinique vétérinaire pour acheter les. Moi, je veux pas, moi. Je veux des gens avec des animaux. Qu'est-ce que j'ai, moi? J'ai envie de dormir. Ça commence mal déjà. Est-ce que j'ai un café? Je vais prendre un café. Avant que j'ai un client qui arrive. Ah! Je vais avoir quelqu'un qui arrive. Alors là, j'ai ma veto qui fiche rien, comme d'habitude. Voilà. Mais je peux pas faire, j'ai. Je bois mon café. Je peux pas tout faire, hein. Ah, j'ai soigné un chat. Accueillir le patient. Allez. Ah, bah, je peux accueillir en même temps que je bois mon café, c'est cool. Moi, je vois très bien mon veto. Doc est tout pour moi. Il va très mal ces derniers jours. On va l'aider, il n'y a pas de souci. Hop. Je garde mon café. On y va. Allez. Viens, petit chat. Oh, bah, il n'est pas pressé, hein. Sois pas pressé, je bois toujours mon café, hein. Ne t'inquiète pas, no problemo.
Allez, hop. Et tu peux pas gérer Soria. Tu peux... Action. Tu peux pas travailler un petit peu, toi. Bon. Faut que je cherche un petit peu plus. Alors, on va commencer par écouter la respiration. Alors, on va écouter son cœur. Ah, si, ça y est, alléluia! Elle a pris un patient. Allez, on va examiner les yeux. Elle est pas contente, hein? On va calmer l'animal. Il va falloir que je nettoie là. Hein. Tout du cracra là. Voilà. Quoi, elle veut mettre le feu? Pourquoi vous voulez tous mettre le feu aux Sims? Allez. On va prendre la température. Ah. Mais c'est quoi ces... Aïe 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 aïe. Alors, attendez, je vais faire une piqûre. Allez hop. Ça y est, ça fait pchit. Voilà. Allez. Je vais pouvoir. Voilà. Accueillir le patient suivant pendant qu'elle a soigné. Alléluia. Alors, je sais pas ce qu'a Rosie. Allez, on va l'aider. On y va, Rosie. Attention, il a croisé un chat. Il s'en fiche. Coucou. Allez. On continue avec nos super tables de médecin, avec nos super chiens qui se couchent tout seuls. Allez. On commence par écouter la respiration. Donc là, on a trois à trouver, quoi. Ouais, il fait des crottes arc-en-ciel. Ça, c'est bien, ça. Je vais écouter le cœur. Respecter la fourrure. Ah ah! Je passe niveau 4. Maintenant, je peux désormais administrer tellement sérum sur la table d'examen. Un adorable sticker mural à l'animal. Wow. La maladie des crottes colorées. Super maladie, donc attention. Si votre chien a la maladie des crottes dorées, c'est pas possible. Bon, juste après ça. Oh, encore un chat avec des papattes. Voilà. Donc, je vais aller d'abord aux toilettes avant de prendre le client suivant. Ah bah oui, ok, d'accord. Accueillir la patiente chaleureusement. Donc il va peut-être falloir que... Stanislas Brodst. Oui mais alors, non, 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 stop, 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 stop. Faites pas venir tout le monde. Oh là là. C'est bon, hein. Ah, c'est bon, j'étais super contente. Parce que tout le monde est parti.
Bon, ça c'est squat, hein. Pour le coup, on va essuyer un petit peu, hein. Bah arrête, elle est partie jouer aux jeux vidéo, on dirait moi. Dès que j'ai fini de travailler, ouais, jeux vidéo. Mais non, 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 non. On va nettoyer. Mais alors, pour le coup, tout le monde est parti, donc moi aussi je rentre à ma maison. Mais j'ai eu squat de vampire dans ma boutique. Mais moi je suis fatiguée, alors je rentre à la maison. Allons nous occuper de notre petit chien et notre petit chat à l'intérieur de chez nous. Mais d'abord, je vais aller faire dodo. Allez, théoriquement, mes chiens et mes chats viennent avec moi. Normal, il est 23h aussi. Voilà, les petits chiens et petits chats. Voilà, j'ai chat sur le lit. Ah, il faut dormir, hein? Ils dorment pas, ils me regardent dormir, c'est bien. Ils vont dormir toute l'après-midi. Voilà, ils dorment maintenant. Je viens juste de me réveiller qu'ils s'endorment. C'est un petit peu décalé, hein. Alors, ma douche est en bas. Bon, on va laisser faire à manger. J'ai plein de croquettes, donc tout va bien. On va manger à la table, on va peut-être faire. Ah, ça y est, mon chat s'est réveillé. D'accord, je prends une douche au milieu de mon repas. Vous aussi, vous arrêtez votre repas pour prendre une douche, ça c'est normal, hein. On est tous pareils, hein. Une convention geek, oui, on y va. Non, on n'y va pas. Ce n'est pas le thème de ce. Voilà, hop. Allez, mangeons un petit peu. Oh. En même temps, je joue avec mon petit chien. Aha, j'ai fini une étape terminée. Donc maintenant, je vais être amie avec 5 animaux. Je dois être une compagne pour un animal. Ça va devenir mon compagnon, attention. Réussir à corriger deux mauvais comportements. Gratter à l'endroit préféré. Ouais, on peut gratter, hein. Là, je vais nettoyer un petit peu. Oui, moi aussi ça sonne bizarre, mais bon, c'est des Sims, ça. Hein. Ah, regardez, il y a d'autres animaux là. Il y a plein de gens qui transportent leurs animaux maintenant. Donc, on va voir ce chat. Gronder pour avoir sauté sur les plans de travail. Il a fait popo. Corde va ramasser quoi. Ah, mon chat est parti. Il est parti faire la fête chez les voisins. Hein. Allez. Bah, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? On va encore le dresser. Hein. On va faire rouler sur le côté. Allez. Attention, niveau supérieur, compétence dressage. Oh,
Bon, je peux faire le mort, papate. Mais oh, il n'y a pas de problème. Bon, on est juste samedi, hein. Merci pour être venu et bonne soirée. Donc là. Là, il faut que je le gronde. De suite. Il est sur le plan de travail, là. Des cœurs, hein. Ah, voilà. Ah, faut que j'aille faire pipi. Allez hop. Après, je m'occuperai des chiens et des chats. Voilà. Sermonner. On va sermonner, on va essayer de sermonner un petit peu. Alors, on s'occupe un petit peu de ces chats, hein. Non, 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 non. Jouer avec le pointeur laser, c'est vachement bien. Ah bah, elle a disparu. Bon, on va s'occuper de notre chien alors. Ah, on va voir une... On va le caresser. Oh, il est tout content. Qu'est-ce qu'on peut faire avec... On va faire un chien individuel. J'ai pas... J'ai l'air très intelligente avec mes oreilles de chat. Et mon t-shirt, mon petit chat. Ah oh, oui. On va gratter à l'endroit parfait. Alors, est-ce qu'on a les relations ici? Alors voilà, je suis avec Tempête, je suis pas très mal. Hein. Donc on va bien voir. Ah, cajoler sur le canapé. Ah, mais arrête de vouloir dire, tout en dire. Hein. Ah, tu la prends pas sur le genou. Hein. Bizarre parce que moi mon chien il reste pas à côté de moi comme ça. Tu sautes dessus sur le canapé. Qu'est-ce qu'il a mon chat? Mais il est encore sur le bas hein. C'est harmonie. On va le caresser. Ah non. Top. Toi, arrête. Il sermonne ce chat. Comprends toujours pas. Hein. Oh, mais faut nettoyer les gamelles parce que même les gamelles, la nourriture dans les gamelles, ça. Remplir à nouveau. Ouais, on va remplir à nouveau toutes les gamelles. On va pas avoir des croquettes normales. On va vider les gamelles. Pour le coup, je me suis fait avoir. Bah oui. Ah, bien sûr, il a vomi. Hein. Oh, ce chat, ce chat, ce chat, ce chat.
Oui, c'est ça. Ah oui, c'est super fun à... Ah, je vais caresser mon chat. Ah, j'ai mon chien, j'avais peut-être une nouvelle interaction. Non, on n'a toujours pas. Hein. Du coup, moi j'ai faim, hein. Je vais me cuisiner quelque chose. Cuisiner un gâteau hamburger, ça c'est vachement bien. Voilà, cuisiner un gâteau hamburger. Mon chat, il est encore sur la table. C'est un vrai chat, hein. Ah, j'ai réussi à pas mettre le feu. Alléluia. On va prendre un morceau, hein. On peut mettre des bougies sur un gâteau hamburger, hein. Ah, c'est vachement bien, j'ai la litière qui se change toute seule. Pchit, pchit. Ça, c'est un très bon investissement. Allez, il est minuit, on va au dodo et demain, on pourra aller à la clinique vétérinaire. Ah, ben voilà, les chiens et les chats, ils dorment là comme il faut. C'est bien, comme des chiens et chats, t'achètes un panier, ben ils dorment pas dedans. C'est normal, tout logique. Allez, on va prendre un morceau de gâteau. Bien sûr, j'ai pas dévié, hein. Est-ce que je peux jouer au pot au hasard? Ah, je peux proposer mon amitié. Attention, hein. Je propose mon amitié à un chat. Bon, un peu le coup. Je vais aller au magasin. Allez, on va au magasin. On continue un petit peu notre formation de vétérinaire. Allez, on ouvre parce qu'il faut que c'est pas tout, il faut gagner de l'argent, hein. Avec ma petite démarche de féline. Alors, s'il y a quelque chose à nettoyer, non, tout est propre. J'ai un problème, non, tout va bien. Maintenant, j'attends les clients. Hein. Bon, je vais faire un café. Hein. Voilà, allez. Action. Amical. Ben oui, mais là. Accueillir le patient. Allez hop. Allez. On accueille des chats. Ah, oh, bien sûr que je vais examiner votre chat. Allez, venez. Ah, c'est bien, nettoie. Mais ça sert à quelque chose enfin. Alors, qu'as-tu, petit chacha? Ah, t'es déjà parti, toi. Ah. Allez.
Donc on va commencer par examiner son cœur. Allez hop. Ah, elle prend notre chat, c'est bien. Ouh, crotte arc-en-ciel et rythme cardiaque rapide, directement. On va examiner la gueule. Et voilà. Fait la maladie des crottes colorées. Attention. Retraite, hein. On donne des biscuits de médicaments. Ah, et voilà. Ah ah ah. Mais t'en vas pas, hein. Allez, on accueille le patient suivant. Merci. Alors, j'ai déjà vu mes Brando agir de la sorte auparavant. Ah, alors on va voir ce qui se passe avec Brando. Allez, Brando, viens sur ma table. Ouais, je fais des pompes, hein. Ok. Commencer l'examen. Bah oui, il faut quand même que je commence l'examen. Allez, viens. Évaluation améliorée. 2 étoiles. Qu'est-ce qui se passe? Alors, j'ai examiné la peau des fois. Je pense qu'il y a des puces qui sortent de lui, hein. Le grand cirque des puces, ça, je suis tout à fait d'accord. Hein. Allez, on va mettre un petit spray. Allez. Ah, ça c'est fait. C'était rapide. Allez, on va accueillir le patient suivant. Ah, j'espère. Ah, mais bien sûr que je vais aider. Allez, viens, mon chien. Ah, on va passer à un chien. Ah non, c'est toujours un chat. Pardon. Ah, il y a encore des puces. Lui aussi, il y a des puces. Aïe, aïe, aïe. Regardez, il y a des puces partout. Et ça saute dans tous les sens. Ça me donne envie de gratter. Rien que de parler de puces, ça me donne envie de gratter. Ah, bientôt, bientôt, j'ai pas monté, j'attends de monter. Je vais bientôt opérer. Ben, malheureusement, il faut que je devienne une vétérinaire plus émérite. Sinon, je vais tuer un animal et dans les cibles, c'est pas possible. Je peux tuer plein de gens, mais pas des chiens. Pas des chiens. Donc après, j'allais fabriquer des médicaments. On va changer un petit peu. Voilà. Ah, ici, là, je peux fabriquer une table d'examen des friandises. La pâte à mâcher, par exemple. Je peux faire un gel stimulateur et gratouille. Allez, on va faire ça. Comme je vois qu'il y a l'autre vétérinaire qui fait. Attention, on fabrique. Je vois pas ma compétence qui manche, alors je suis. Oula! Voilà, il y a ma compétence qui monte. Attention, on va accueillir peut-être mon patient, un patient suivant. Hein. Oh, Rosie, elle est pas bien. Je sais pas si vous avez peut-être du chat, mais. Allez. Regardons ce chat de plus près. Non, parce que vous dites que moi je fais des chats bizarres, mais regardez ce chat là. Allez, il a tout vomi. On va commencer par examiner sa gueule. Ah ouais, ben il vomit, ça j'avais remarqué. Hein. Oula.
Celui-là, il est pas super sympa, hein, comme chat. Hein. Ouais, il fait peur ce chat. Hein. Allez. Je sais pas ce qu'il a, mais on va voir la maladie qu'il a. Hein. Parce qu'on croit d'être dans le thème hospital avec des maladies. On va respecter les oreilles. Examiner les yeux. Et il a fait pipi sur la table, c'est génial. Ah non, c'est pas du chat. Allez, il faut que je calme encore le chat. Allez. Inspection de la fourrière. Voilà, d'ailleurs. J'espère que vous n'avez pas faim, hein, parce que c'était tout sale. Hein. Attention, il a l'haleine atroce avancée. Ah ah! Elle peut désormais apaiser les animaux sur table d'examen et fabriquer des friandises. C'est bien. Ah, j'ai encore un squat. Elle est partie, ma copine? Elle est partie, ma collègue. Bon, allez, on va cueillir le patient suivant et puis après, on va fermer. Hein. Ouais. Ah, mais. Oh! J'ai encore un caniche! Oh, elle a les pattes lignées, il a tout lui. On va examiner. Voilà, elle va tout avoir lui. Attends, tu mets pas devant, on voit rien. On va examiner. On va écouter le cœur. Non, on croirait que c'est comme les poupées, vous savez, il y a les gros et chaque fois pour les soigner, c'est pareil. Alors là là. Respectez les oreilles. Ah, c'est bon, elle s'occupe du caniche derrière. Oh bah elle a l'air de puer hein. Allez on va calmer. Ah je peux apaiser l'animal. Au revoir, c'est une nouvelle compétence. Et son propriétaire à part hein. Je sais pas qui c'est qui propriétaire qui part mais... On va écouter la respiration. Attention, attention, il a les organes en magma. D'accord. Faire une piqûre. Ah bah d'accord, j'ai encore un chien. À un moment donné... Arrêtez, il est 20h30, il est 20h30. Hein. Alors, c'est pas possible, je suis désolée. On ferme. Alors... Tout le monde ferme. Attention, je vais aux toilettes. Ah, mais ça va. Hein. Allez, on va pouvoir rentrer à la maison. Et on va s'occuper des animaux. Donc pour le coup, résumons cette extension un petit peu ce qui s'est passé sur ce nouvel add-on. Donc bien sûr, bonsoir. Nous avons des super chiens, des super chats. On peut faire des renards, des relatum haveurs, un petit peu tout. Nous avons des objets donc pour s'occuper. Nous avons une nouvelle compétence
Donc vétérinaire, qui n'est pas un métier. Donc pour le coup, je suis un petit peu déçue, j'aurais bien aimé faire une carrière entière. Mais ils ont fait le choix de mettre un magasin. Donc bon, bah, on a un commerce, hein. Je peux comprendre aussi, puisque c'était pas réutilisé depuis un moment. Donc je vais dire à mon chien d'aller faire ses besoins dehors. Bon, bah, on a des nouvelles interactions avec les chiens et les chats. De toute façon, je ne suis pas allée au bout, hein, puisque ça ne fait que 2 heures que nous sommes ensemble. En train de regarder la création, hein, par contre, est assez très développée comme d'habitude dans les Sims. On peut vraiment faire ce que vous voulez, puisque vous avez, on peut même mettre des tatouages, un petit peu de tout. On peut mettre des couleurs, on peut changer. Ça, c'est fantastique. Il y a les personnalités des animaux. Oui, je trouve vraiment super sympa. Il rajoute. Enfin. Il y en a, il rajoute pas énormément de choses. Celui-là, il rajoute vraiment beaucoup des choses assez sympas. C'est pas un pack d'objets, hein, c'est carrément c'est un petit add-on, hein. Avec le gameplay des chiens et des chats et qui est vraiment sympa parce qu'il pousse vraiment jusqu'au bout du gameplay, hein. Oh, ouais, ils jouent bien ensemble si les appels ils arrivent. Ils dorment bien comme des chiens, comme des chats. Rajouter des choses. Donc là, moi, je suis vraiment étonnée. Oui, c'est vrai que ça manquait aussi dans le gameplay. Bon, bah après, ils peuvent pas tout sortir d'un coup, hein, sinon, ça ferait plus d'argent. Hein. Mais là, oui, j'apprécie beaucoup. De jouer ce petit add-on là, cette petite sortie. Là, il veut que je sorte en laisse. Mais d'abord, faut que je dois prendre une douche. Hein. Et après, je te sors, promis. Promener. Courte promenade. Hein, parce que la langue. Oui, c'est dommage pour la carrière, mais bon, bah, c'est un magasin. On le fait aussi. Hein, c'est assez sympa. Ça y est, quand même assez sympa. Allez, il nous reste encore une quinzaine de minutes pour jouer ensemble pour découvrir cet add-on. N'hésitez pas si vous voulez voir encore plus de gameplay sur les Sims 4 à flow notre chat. Toutes les semaines, je joue théoriquement aux Sims 4. Donc là, les chiens et chats seront sûrement intégrés à ce que nous allons faire, quoi. Ah oui, j'ai pas rempli sa gamelle. Ah, je fais des pompes, c'est plus sympa. Ah oui, la clinique là. Là, je l'ai fait, c'est vraiment super bien quoi. Hein, voilà, on joue, on s'amuse. Les chiens et les chats s'amusent ensemble, alors on peut avoir 3 ou 4 chiens ou 5 ou 6 chats, hein. Là vous n'êtes pas limité, moi j'en ai fait un de chaque. J'ai mis une super litière pour pas la changer. Allez, on va dormir. Voilà, généralement voilà, mes chiens et mes chats viennent avec moi. Mais comme d'habitude, les chats dorment pas. Quand il faut, allez hop. Hop, hop, hop. Ah ouais, là, il faut que je nettoie tout. Alors, on va tout nettoyer. Ah, j'ai pas tiré la chasse pour le coup. C'est super propre. Manger sandwich. On va retourner à la clinique vétérinaire juste après avoir mangé ça pour voir un petit peu plus ce qui se passe de ce côté-là. Hein. Allez, on y repart. Hein. Un petit peu, on gère ce qui va se passer. Alors, nous y sommes. Allez, hop, je vais ouvrir la clinique vétérinaire.
Alors, pourquoi j'étais partie tout à l'heure pour fabriquer une station de chirurgie d'agent de calmant au Berz. Allez, on va faire ça. Autant que les premiers clients arrivent, ça me permet de créer. Ah, j'ai carrément deux qui sont arrivés, hein. Alors, accueillir le premier patient. Ah, j'ai un chien bleu. Ah, j'ai encore un chien bleu. Allez, regardons le chien bleu. Alors, oula. Eh oui, c'est un chien bien. On va inspecter ça. Alors, je devrais pas trop me faire bouffer très serré, très vite. Après, on va apaiser, hein. Ah, mettre le feu, hein. On va écouter la respiration. Écouter le cœur. Examiner les yeux. Il est beau ce chien bleu. Ah, ma collègue, elle fait bien quelque chose, hein. Respecter les oreilles. Examiner la gueule. Ouais, ah. Calmer l'animal. Allez, on va le calmer. Ah ah, examen. Alors, il a la peau de la toundra. Attention. Allez, un petit biscuit. Beau chien, tout guéri. Alors, est-ce qu'il me reste un autre? Non, là je vois que c'est bien. Alors là, je peux pas améliorer, je peux pas commencer les inventions. Donc, je vais commencer. Je vais faire du travail de laboratoire. Hein. Pour ça, j'ai personne qui est à l'intérieur. Hein. On va essayer de monter cette compétence. Hein. Faut voir, parce que j'aurais bien aimé faire des opérations avec vous. Ah. Alors, je suis obligée d'arrêter. Là, cette tête de chat. Allez, soignons ce chat. Là. Alors, le chat, il a des étoiles. On n'a pas vu. Oh là là. On va écouter la respiration d'abord. Je sais pas si vous voyez cette tête de chat. Ah, on va peut-être le calmer d'abord. Hein. On va apaiser l'animal. Parce que là, il est un petit peu trop haut pour. Crois qu'il est tout étourdi. Alors, on va écouter le cœur. Alors, qu'est-ce qui va nous sortir comme maladie encore, celui-là? Oula! Oh, j'ai pris de l'argent, c'est pas mal. Enfin, je trouve après des points d'avantage à améliorer les choses. Juste après. Les oreilles infectées. J'ai examiné les yeux. Avec une petite croquette en forme de papate. Mais c'est pas ça. Donc on va faire la gueule. Hein. Oula. Bon, ben, faut que je calme.
j'aime l'animal, hein. J'ai failli me faire attaquer par le chat. Les chats sont vraiment réels, hein. Attention, j'ai la compétence 6. Oh là là, je peux toujours pas opérer les chats. La fièvre de griffure d'écureuil. Donc hop. Je crois qu'il faut que ce soit la compétence 10. Hein. Voilà. Alors là, quelle heure il est? Il est 20h. Allez, 20h, généralement, je suis désolée, mais je ferme. Alors. Qu'est-ce qu'on pouvait des choix d'avantage? Alors. Hop. Oui, ça c'est pas mal ça. Coucou. On peut faire un vétérinaire supplémentaire. C'est peut-être pas mal ça. Et. Hop. On dépense un petit peu tous les taux de l'argent. Voilà. Après, on en aura un petit plus, hein. Ça c'est 900, donc je peux avoir un vétérinaire supplémentaire. Ah, pour le coup, j'ai fermé, hein, mais oui, mais parce que bon, hein, je rentre chez moi, hein. Pas passer toute sa vie dans notre magasin. Parce qu'on a vite envie de savoir la suite. J'ai envie de monter cette compétence pour nous permettre. Alors, ah, parce qu'en plus, je les ramasse les crocs d'animal et j'ai. Petite anecdote. Donc, je n'avais pas ouvert mon sac depuis tout à l'heure. À chaque fois que je ramasse un petit caca de mon chien, je le garde dans mon petit inventaire. Je sais pas vous, mais c'est très glamour. Alors, je vais remplir ma gamelle. Mes pauvres animaux vont être là. Est-ce qu'il faut que je nettoie ici? Vider la litière sale. Allez. Hein. On va nettoyer la litière. On va faire un. On fait tout comme si on était à la maison. Hein. La litière sale, tu veux pas? Oh, qu'est-ce qu'il a, mon pauvre petit chien? Ah voilà, j'ai vidé. Ah! Ah bah oui, d'accord, je peux pas le laisser sur le frigo, je peux rien lui dire. C'est bien chat, hein. Allez, on va jouer avec un pointeur laser, hein. Ah, il est rouge, cette fois-ci. Alors, qu'est-ce que je peux faire? On va caresser. Il est où mon chien? Petit chien, où es-tu? Ah, il est allé faire ses popos. Ok. Hop, on va jouer avec le pointeur laser. Ah, voilà, mon petit chien est revenu. Faut lui faire un câlin. Et après je mangerai. D'abord le petit chien. Toujours ces animaux en premier. Faut être responsable. Surtout que je n'ai pas mis le feu à ma maison, attention. Ah oh bah tiens, j'ai le chat. Oh non, mais pas le chat. Non, 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 non. Non, non, non. Il squatte tout le temps le canapé. Ah, le chat il fait dodo. Oh, fait câlin mon petit chien. Il va monter son plan de travail. Chasser, allez hop. Mais il squatte le plan de travail.
ce chat, ce chat, ce chat, ce chat. Remplir les gamelles? Oh là là. Qu'est-ce qui va pas au chat? Ah, pour le chat, je peux lui dire qu'est-ce qui va pas quand même. Hein. Ah bah d'accord, je vais derrière la maison carrément pour voir qu'est-ce qui va pas. Prendre, aller chercher la baballe. Elle... Ah oui, mais elle est partie. Ok. Ah, c'est bien. Ah là là. Alors. Ah, t'es le dressage, hein? Oh, j'adore cette litière qui se fait toute seule. Et nous allons aller au dodo. C'est quelqu'un à 4h du matin. Alors, super, il est après rapporté. Là, je peux dormir? Je vais être complètement décalé pour le coup. Mon perso va se lever, il va être 11h du matin. On dirait un vrai geek. Avec mon chat. Oh, je vais le caresser. Ah, oh, bah non, il fait dodo. Bah, je vais pas réveiller mon chat hein, pour le coup. Ah, il est là, le chat. Où es-tu? Où es-tu, petit mignon? Ah, il est là. Alors, on va la caresser. Je vois pas du tout de quoi tu parles. Hein. On va quand même la sermonner encore un petit peu. Bon, elle est pas là. On va faire manger. Hein. Il y a 1 heure, hein, faut manger. Allez hop. Ah, je croyais qu'elle n'avait pas mangé. Hein. On va jouer avec un pointeur laser et hop. Regardez cette belle litière là qui fait tout seul. Qui c'est qui n'arrive pas d'avoir ça quand on a un chat? Allez. On va caresser mon petit chat. Ah ben ça va. Mon chien est ronflé là-haut hein. Ah, mon chien il est où? Ah, ouais, il est là dans son. Oh, le chien s'est couché dans son tapis! C'est mignon! Oh, j'ai l'impression qu'il est tout triste. Hein. Ah, ben. Il a envie de faire des bébés, hein! Mon chien veut faire cracra quoi. Non, on peut pas shooter dans un chat. On peut pas faire de mal aux animaux dans ce jeu. Allez. Le festival des épices est un... Non, on va pas voir le festival des épices. Encore?
C'est mon chien. Il va faire le ménage là, un petit peu. Bah oui, c'est je peux pas mettre le feu à mes animaux. Pour le cul, je suis déçue. Mais bon, c'est comme ça, on peut pas tout faire. On peut pas mettre le feu à tout. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut encore dresser. Ah, je peux le faire faire le mort. Tu as fait le mort. Donc, Ah pour faire le mort, je lui explique. Donc, je lui ai montré. Ah, ouais. Ah, j'ai fait le mort. Elle fait le mort aussi. Ah, c'est vachement bien. Et il est encore. Le chat, il est encore sur le plan de travail. Alors attention. Parce que j'ai plus de choix. Plus de choix. À caresser. On va essayer d'aller plus loin dans la. Parce que mes papates, je suis pas mal à les tempêtes. Hein. On va voir si on dépasse pour voir si on peut donc. Comment on dit, être la compagne d'un animal. Je trouve pas donc. Bonsoir. Devenir la compagne d'un animal. Attention, je viens de le trouver. Donc je vais demander à être la compagne d'un animal. Oh. Donc maintenant je suis une femme à chien. Voilà. Donc, et j'ai pas réussi à. Il faut que je trouve d'autres animaux. Donc je vais peut-être pas remonter. C'est un petit peu chelou. Comment dire? Non, en fait, je pense que ça va très très loin dans le gameplay du. J'adore mon animal. Après, faut pouvoir tout faire dans un monde. Le monde des Sims, c'est. Et merveilleux. Alors, comment sommes-nous? Je vais aller aux toilettes. J'ai appelé mon chat. Pour qui, pour une fois, n'est pas sur les. Ah, le chat. Hein. Il est où mon chat? Où c'est qu'elle est? Bah, le doigt gonflé, hein. Bon, allez, je vais dormir. Et nous arrivons à la fin de ce live. Alors, effectivement, c'est un contenu additionnel. Donc, je vais résumer un petit peu tout ce qui se passe sur ce cat and dog. Donc, on peut créer un chat, un chien. Donc là, vous avez toute la création qui est assez immense. Et là, on peut faire tout ce que vous voulez. Vous avez beaucoup de races, beaucoup de choix. Vous pouvez les mettre les couleurs, vous pouvez tout changer. Vous pouvez choisir d'avoir n'importe quel chien, lui mettre le pelage de notre, lui mettre des tatouages, lui changer les yeux, le nez, les oreilles. Alors ça va au fond. Sachant que chacun, on peut leur faire des traits, donc ils vont interagir différemment. Donc il y a beaucoup d'actions avec. Il y a donc deux nouvelles compétences. Donc il y a la compétence dressage et la compétence vétérinaire. Pour ça, on peut acheter un magasin de vétérinaire.
Donc là, ce n'est pas une carrière et c'est pas un métier, donc c'est un magasin avec une compétence. Et là, il se passe beaucoup de choses. On peut fabriquer en soie des animaux. Et donc moi, je le trouve très très complet. Il y a pas mal de choses en plus. Pour moi, c'est un add-on, oui, qui était bien 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 obligatoire pour parfaire ce jeu des Sims 4 qui est toujours aussi passionnant et on s'en lasse pas, quoi. Vraiment. Donc j'espère que vous avez passé une bonne soirée à ma compagnie puisque ça fait bientôt presque 3 heures que nous sommes ensemble dessus. On a pas mal, le temps est passé très très vite. Je l'ai vraiment pas vu passer. Il y a plein de choses fun. Il y a des coiffures, il y a des habits qui sont aux animaux. Donc moi je suis très contente de faire cet add-on, sachant que sur ma chaîne Geekspager, vous aurez droit d'en avoir encore plus du contenu puisque je rejoue la semaine prochaine aux Sims. Donc il y aura sûrement des animaux qui vont apparaître dans ma petite famille. Donc je vous remercie pour ce live, ça m'a fait très très plaisir. On se retrouve très vite sur le Instant Gaming et encore plus vite sur la chaîne Geekspager. Merci, bonne soirée.